Bon, Winnie, regarde, là, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Là, je parle sérieux. Là. Ça fait 5 ans que tu attends cette réponse. Voilà, je vais te donner la réponse. Là, tu dois être en train de demander comme un malade. Je vais te donner l'heure. Winnie, voilà, arrête Winnie, stop, stop, stop. Je sais tellement de choses sur toi, Winnie. Je sais que tu pleurais en prison. Je sais que tu pleurais. Ma green card elle va sauter, Anne Cipron. Ma green card elle va sauter. Mes enfants, Winnie. Winnie, t'as pas le mental. Je te jure que t'as pas le mental. Ça se voit dans ton comportement, dans ta façon de communiquer, de tes. Ça se voit que toi, t'es suivi par un médecin, toi, par un psychiatre, un grand psychanalyste. Quand ça venait pleurer, Gims, je veux un feat, fais-moi un bel âge, je veux un bel âge, je veux énergie, je veux ci, je veux ça, je veux un bel âge. Tu te souviens de ça? On s'est vu au studio, non? T'étais là tout timide, grand gaillard, tout timide comme ça, là. Grand géant, gigantesque, c'était moi comment il était. Ça va bien? Il te reste encore ton compte Twitter pour répondre, donc on est toujours bon, on est toujours dans les temps. Donc vas-y. Hein. Mais t'as envoyé tellement sur moi pendant 4-5 ans, sans effet, tir à blanc. Purée, t'es tombé sur. T'es vraiment mal tombé, Winnie. Voilà, t'es mal tombé, Winnie. T'as pas le mental, Winnie. Tu vas pas te tenir, Winnie. Winnie, viens, on revient à la base. Viens, on remet tout dans le contexte. À la base, t'as grandi à Meudon-la-Forêt, je sais pas quoi. T'es mal blaze déjà. Le blaze, déjà, il est compliqué. Malgré ça, t'as réussi à faire du beurre à là-bas. Donc, ça, déjà, c'est ta vraie prouesse. Elle est là. Ta prouesse, c'est qu'avec Pimprenelle et Biscotte, tes deux chevaux, là, tes deux poneys, là, t'as réussi à faire ton beurre. Et ça. Ça, c'est fort uni. Et il est là l'Oscar que tu dois recevoir. C'est là. Faut pas se tromper, les gars. Non, Winnie, t'es trop KO, t'es trop KO. Ça veut dire que même la réponse que je suis en train de faire, j'ai hésité. Je dis, il est tellement KO qu'il va m'inspirer dans ces ténèbres de KO. N'importe qui te répond, n'importe qui annule tes dates, des influenceurs, des trucs. Je vois ce qui se passe. C'est terrible. T'as une fin de carrière terrible, Winnie. C'est une malédiction, là. La malédiction, mais. Et arrête de parler d'oseille, de machin, de je sais pas quoi, tu n'as pas d'argent, Winnie. Et c'est pas une honte ou quoi que ce soit. Moi, je suis né à Kinshasa, derrière un arbre, mon gars, dans la jungle. On s'est battu, on en est là. Tu n'as pas d'oseille, Winnie. Tu n'en as pas. Je connais la musique, je sais, je connais toutes les entrées d'argent. Et tu n'as pas d'oseille, Winnie. À moins que tu sois Pablo Escobar là-bas à Miami, que tu fais passer des kilos, des tonnes de C, ce qui n'est pas le cas. Parce que tu n'as pas les couilles, ni le mental, même pour faire ça. T'es KO, Winnie, tu n'as pas d'oseille. On le sait. Montre-nous ta villa, mais au ralenti, doucement. La piscine. Va pas filmer chez quelqu'un d'autre. Chez toi, là. T'es KO, Winnie. Fucking go. Non, vraiment, vous laissez pas duper par sa taille, les muscles, tout ça. Tout ça, c'est KO, ça vaut rien. Wallah, je vous dis, ça vaut rien. N'importe qui, là, vous pouvez le tester. C'est-à-dire, là, vous le croisez, vous pouvez le tester. Il est KO, ça c'est que de la gonflette, ça c'est des. Tu sais, un vrai psychologue, un vrai médecin, il va te dire que voilà, c'est une carapace, il essaie de cacher quelque chose, de combler un vide. Il comble un vide à la salle, il comble un vide, il est triste, il n'est pas heureux ce gars. Ce gars n'est pas heureux et sa seule échappatoire, c'est ça, c'est ses formes de clash, etc. Ça suscite un intéressement chez lui. Ça veut dire qu'on le regarde et qu'on pense à lui. C'est des gens comme ça. Voilà ce que tu es, Winnie. Tu es apeuré. Tu es apeuré, tu croupis c'est-à-dire dans un trou à rats, c'est-à-dire que t'es un rat, Winnie. Et parlons de ta musique, Winnie. Ta musique bien KO depuis quelques années, là. KO! Il se passe rien. T'annules tes dates, tes festoches, tes problèmes de logistique. Tu veux nous faire avaler des trucs, mais arrête, s'il te plaît, il n'y a pas de logistique. En fait, il n'y a pas d'êtres humains qui sont venus. Les humains ne sont pas venus à ton concert. T'as voulu sortir. Ton album l'année dernière, là, en même temps que moi, ton album KO! À chier! En même temps que le fléau, la mixtape là que j'ai sorti.
Même ça, je t'ai tabassé. J'ai une fuite de un mois et demi. T'as fait fuiter l'album, t'as partagé des liens, des machins. Malgré ça, j'ai fait une plus grosse semaine que toi. Et l'album, là, il se vend mieux que le tien. T'es KO, Winnie. Je suis plus fort que toi sur tous les points. Tous les points. Et ton vieux Stade de France que tu vas faire, là, on sait comment tu vas faire. On sait qui a investi. Je ne vais pas cramer son blaze. Mais il y a, je crois, il y a eu entre 500 000 et 1 million d'euros qui ont été mis pour acheter uniquement des places qui vont être redistribuées dans le Banks, dans le Bendo. Donc, les gens, vous allez voir bientôt des gens, ils vont vous donner des places, soit concert de machin, concert de machin. On sait ça. On sait. Ton stade, il n'est pas dans le top, en fait. Fallait bien faire ta triche, toi aussi. Quand tu fais une triche comme ça, essaie de faire un truc carré. T'es pas dans le top. Ça veut dire qu'on ne voit pas. On voit qu'il y a un problème, en fait. Ce serait bien de revenir quand même à la source de l'histoire. La source de l'histoire, c'est une vidéo que j'ai fait qui parlait du streaming, de la triche. Winnie s'est senti visé. Alors que je ne parlais même pas de Winnie. Wallah, je ne sais même pas comment vous jurer. Je parlais même pas de lui. Il était même pas dans ma tête. Mais tellement, comme je vous ai dit, dans sa tête. Il faut retenir ça. Tête, fragile, psychologue. Winnie. Tellement, il est fragile, il a peur, il est inquiété, qu'il y a un petit truc. Tu sais, c'est les mecs comme ça te fait. Il a cru. C'était pour lui, cette victime. Donc, il a commencé à s'emballer. Nanana. Il a vu que moi, je répondais pas, je faisais rien, machin. J'avais pas le temps de te calculer, c'est tout. J'ai pas le temps de te calculer. Je te dois rien. Mais ça part de là. T'as flippé. Parce que t'es un tricheur et tu triches mal. Tu triches tellement mal que ton vieil album, il vient d'être diamant que maintenant, là. 250 ans plus tard. C'est-à-dire, t'as sorti ton truc au temps des Peaky Blinders. Il est diamant que maintenant, tellement t'es KO et m'en triche. Winnie, j'ai juré, t'es une victime. T'es une vraie victime. Ça sent, tu sens la proie, Winnie. T'es une proie. Voilà, tout ce que tu sais faire vraiment, c'est t'en prendre en vérité aux femmes, les enfants, les innocents. Toi, c'est ça, vraiment le truc du vieux méchant, quoi, dans le film. Tu sais, le ringard, le brigand. T'es un brigand de petit chemin, t'es un petit joueur. T'es un petit joueur. C'est pour ça qu'il faut que tu vives bien longtemps, toi. Des gens comme toi, il faut qu'ils vivent longtemps, vieux! Tu vois. C'est pas fini, Winnie. T'es vraiment un vieux mec, Winnie. Ça veut dire que. Là, j'ai fait une pause, je cherchais même dans le dictionnaire, je savais pas comment on peut te qualifier. T'es une merde, Winnie. T'es une de merde puante. C'est un cake, t'es une merde qui est restée plus de 20 automnes. C'est une merde qui a séché, qui s'est humidifiée, qui a séché, qui s'est humidifiée. T'es ça, Winnie. Oh, t'es ça. Tu t'en prends qu'aux faibles. Femmes, enfants, innocents. Tu fais du harcèlement, cyberharcèlement. T'es dans le cyberharcèlement, subhanallah. T'es dans le cyberharcèlement. Des trucs qu'on voit sur New York Unité Spéciale. Moi, j'étais dans ça, Winnie. Voilà ce que tu es, Winnie. Tu harcèles des pauvres gens, des innocents, tous les jours. Comment tu peux te lever le matin? Tu penses à Demdem, tu penses à ma femme. Ou tu penses à un tel, tu penses à telle femme. T'écris des messages, tu fais. Comment tu t'organises, subhanallah? J'aimerais trop voir ton organisation. T'as quoi? T'as des post-it, t'as des rappels. T'as Gims, là, il y a Demdem. T'es trop fort. Et n'annule pas le festoche où il y a Valda. Hein. T'as un festoche là, il y a Val là-bas. Il n'y a pas de problème de logistique, j'espère cette fois. Winnie. Winnie, t'es une victime, Winnie. Tu peux même pas marcher seul dans Paris. Tu peux pas te balader. Tu peux pas te retrouver dans un endroit. En fait, tu marches avec la police, Winnie. Moi, je le sais. Le peuple ne le sait pas, mais moi, je sais que certains commissariats sont en partenariat avec toi. Tu marches avec la police. C'est une dinguerie. Il y a un côté stylé. Mais avec tout ce que tu revendiques, le boucan que tu fais là, c'est pas bon, mon gars. T'es une baltringue, c'est pour ça que t'as peur de te poser quelque part. Tu peux même pas. N'importe qui peut te gifler, Vinny.